The Republic of Congo has approximately 23.5 million hectares of forest cover and a low historical rate of deforestation, which is likely to increase in the following years. However, the country has a high dependency on forest resources for livelihoods and is faced with proven environmental degradation whose causes are mainly from human activities, natural phenomena, and socioeconomic problems. L'importance de la forêt pour les peuples autochtones, c'est notre terre-mère. S'il faut parler ça en ce terme, c'est notre terre-mère. Nous ne vivons que de la cueillette, de la pêche. La forêt regorge tout. Nous trouvons notre vie, notre survie, notre dortoir, notre à manger, notre tradition et notre pharmacopée. The main drivers of deforestation are agricultural expansion, firewood production, forest exploitation, including illegal logging, extractive industries such as mining, gas and oil, urban growth, development of infrastructures, including roads for commercial logging and mining. Nous sommes exploités par des communautés locales pour faire leurs grands champs. Et quand ils font les sections, ils font les champs de brûlis. Et on coupe la forêt jusqu'à déraciner la forêt. Created with the objective of developing a climate change mitigation approach, the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+, a global program under the United Nations Framework Convention on Climate Change, aims to create financial incentives for developing countries to improve the role of conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks. Depuis 2005, nous avons commencé à discuter pour faire en sorte que la forêt puisse occuper une place de choix dans la lutte contre les changements climatiques. Et à ce titre, nous avons 70% du territoire national occupé par la forêt. Et c'est à ce titre qu'en 2008, le Congo a adhéré au processus REDD+ pour apporter non seulement sa contribution à la lutte contre le changement climatique, mais faire en sorte que REDD+ contribue aussi au développement durable. Environmental efforts to combat climate change have become one of the most strategic areas of national policy. REDD+ implementation mainly aims to support Congo in the transition to a sustainable economy less dominated by oil and without compromising the conservation of natural resources. Pour nous, la REDD+ est une opportunité à saisir, étant entendu que dans le cadre de la REDD+, nous avons un certain nombre d'actions à mener qui sont alternatives à la coupe des bois de forêts naturelles. Et dans ce sens, je suis en train de dire que les populations, par exemple, donc, qui vivent à côté des forêts, aujourd'hui, lorsqu'on va vers elles avec des projets, ben, nous leur disons, voilà, nous vous apportons des innovations, une technologie, comment planter en savane en espérant les mêmes rendements. In 2012, Congo received the first funding to set up all REDD+ tools in the country. Currently, Congo is implementing several sub-national pilot initiatives and projects. Le prélèvement de bois doit se faire de manière soutenable. Et on a mis, je dirais, en réserve 92 530 hectares de forêt potentiellement exploitables. L'objectif, c'est quoi? C'est que le projet REDD+ nous permet en amont non seulement de préserver le substrat écologique de cette forêt dans son état naturel, mais surtout aussi nous permet de lutter contre la déforestation en laissant cette poche de forêt naturelle. Ça nous permet aussi d'avoir une base de données conséquente destinée aux scientifiques sur l'accroissement, la mortalité, et la dynamique d'un arbre en général. Aujourd'hui, on peut par exemple comprendre aisément que ce n'est pas parce qu'on coupe un arbre qu'on tue la forêt. Et enfin, il y a le projet Cacao. Il a une approche économique, certes, mais il a aussi une approche sociale.
Le cacao, c'est une grande activité génératrice de revenus pour les populations locales ici. Un planteur peut avoir son argent, peut régler ses problèmes, envoyer ses enfants à l'école. Tu suis bien les techniques appropriées pour faire le cacao, tu peux rester longtemps sur les mêmes superficies, mais en réglant tes problèmes sociaux. Nous avons des actions avec 9 villages qui ont déjà établi des plantations sur une superficie globale d'environ 30 hectares. L'objectif de ce projet, c'est la lutte contre la déforestation et la lutte contre les changements climatiques, parce que vous savez que la zone des plateaux, c'est vraiment une zone de savane. Le deuxième objectif du projet, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, par les revenus supplémentaires que vont générer les plantations et les cultures vivrières qui vont servir pour l'alimentation, les populations vont en même temps préserver ces forêts galeries qui existent par la reconstitution du couvert forestier et aussi avoir des revenus supplémentaires pour leur suivi et le financement d'autres projets sociaux dans le village. On a eu l'objectif de la fabrication des foyers, c'est aider les femmes à lutter contre la déforestation. Là, en utilisant ce foyer, on diminue le taux de charbon. Nous sommes dans l'atelier de fabrication du foyer amélioré. Le premier prototype qu'on a élaboré, on avait choisi 8 femmes dans l'association à qui on a remis à chacun un foyer et un sac de charbon. Pendant un mois, ces femmes-là ont expérimenté. Donc moi aussi, je faisais partie de cette équipe. Donc on s'est rendu compte que le sac de charbon qu'on avait acheté à 8000 francs, on l'avait utilisé pendant un mois et demi. Et on faisait le repas de chaque jour. C'est bénéfique surtout pour nous, les femmes travailleuses. Red Plus in the Republic of the Congo is identifying more initiatives like these ones to upscale and replicate them in order to promote a real transformation towards a sustainable management of its forests. Its protected areas are still facing an important number of challenges. Focusing on the protection and sustainable use of natural resources offers therefore a great opportunity to the country, not only to contribute to the global fight against climate change, but also to ensure livelihood improvement for the communities and to bring a brighter future to the region.